ils ont gagné, nos supporters ont gagné du temps hier les gars. L'arbitre est pas très conteste hein. Le Condor. Alors bim. Allez, c'est parti. On essaye de... comment dire. On essaye de garder le rythme. Ok, c'est parti hein. J'ai Titan en plus quoi. Bon après les spirits c'est moins bien qu'assassin mais bon c'est pas grave. Je lock je pense ouais. Si j'ai pas de gold je lock c'est sûr. Il y a peu de chances que j'ai un shop avec deux Diana au prochain shop. Si j'ai un shop avec une Diana, c'est équivalent. Si j'ai un shop avec zéro Diana, c'est moins bien. Statistiquement, il faut lock. Même si je préférerais avoir des thunes. C'est pas mal Titan et Pistolab sur Diana, non? Après, moi je préfère IE, Runan, Titan, je pense, mais bon. Je suis pas un grand joueur de Diana. Mais les deux dernières fois que j'ai joué, j'ai fait top 2, top 2. Je joue pas souvent, mais j'ai des bons résultats avec. Bah, Titan, ça va être le plus important quand même, je pense. Je suis écœuré de ne pas avoir pu battre l'OM sur le terrain hier. Salut, Vicunia. Est-ce que tu t'es fait un bon café ce matin? Talent, c'est sous-côté, non? C'est pas du tout sous-côté, c'est très fort. C'est vraiment pas sous-côté, quoi. C'est pas mal joué, vraiment pas mal joué, quoi. Bah très bien. On fait un véritable open fort Diana là. C'est parti. Mais avec les Diana 3 ça reste ok. Ouais c'est fort ouais. T'as dit depuis le patch j'ai fait des bons résultats avec. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui slow roll Zenidali, beaucoup de gens qui slow roll des Yasuo, des Wukong, des Nasus. Donc c'est assez intéressant de partir sur du slow roll aussi mais bon. On va voir. En catchplay c'est énorme. Il y a à peu près, il vaut mieux qu'elle soit assassin, parce que tu peux pas avoir 6 assassins sinon. T'as fait exprès d'être avec Jones. Ah bien sûr, je l'ai snipé exprès pour jouer la même combo que lui, pour qu'il se qualifie pas au world. Parce que je le déteste. J'ai pas fait exprès, non. J'en reviens pas qu'on ait gagné ce fight. Alors. Tant que t'es trop fort, moi je suis une guiche à TFT, pourtant j'ai regardé plein de tes vidéos, j'y piche que dalle. Ça va venir. Ça va venir. Double Diala. Dommage, unlucky. J'aurais bien aimé avoir assassin là, un petit pack là quand même, ça aurait pas été de refus honnêtement. Faire ça pour l'instant. Ok. J'en reviens pas que tu gagnes un round. Bah Diala c'est fort en vrai. Mais bon. Elle manque d'assassin hein, quand même. Après moi j'aurais bien aimé perdre à la rigueur pour avoir la priorité au carousel pour choper une épée mais bon. Regarde ces vidéos de cuisine, ça va vraiment t'aider. Oh là là, il y a une bonne sortie à Shones hein. Il a le Teemo élu là. Ouf. Après il y a Tiana qui est dessus mais je pense que je perds hein, vu que... Ah, bonne ulti de Jarvan. Est-ce qu'elle le one shot? Pas du tout, en fait il a trop de régène avec la hoche. Dommage. J'aimerais bien tuer les champions par contre. Quoique ça me ferait la priorité KO. Ouais, oui, note en vrai. On va faire quoi. Ouais, une aide pour une prio KO. Ça va coûter cher niveau thune ça, c'est chier. Parce que là, je pourrais avoir 20 gold. Bah, tant pis, hein, c'est le sens de la partie là. On va voir, hein. Quand on a Hoj, on peut partir sur ce combo Xayah. Quand t'as Hoj, tu peux partir sur... Alors Hoj, c'est écrit H-O-J, c'est pour End of Justice.
Y a rien qui m'énerve le plus quand je vois des gens écrire. Non mais en plus, franchement, Hoge, y'en a qui mettent AU, y'en a qui mettent un H, y'en a qui mettent enfin j'en peux plus quoi, y'en a qui mettent un G. Non vraiment il faut une bonne fois pour toutes faire un point d'exclamation Hoge je crois. Putain, terrible. J'aime bien faire des points d'exclamation pour expliquer ce qui se passe. Genre le point d'exclamation liberté c'est le meilleur en vrai. Point d'exclamation liberté. J'aime bien perdre là. Ouais, perdre c'est bien là. Comme ça on est prio là. Point d'exclamation liberté. Spat assassin c'est ultra fort mais bon. Prendre des épéniques. A votre avis, est-ce que je slam Titan? Est-ce que je slam Pistolam ou j'attends essayer de faire IE en prio, vous en pensez quoi? Pistolam direct, je suis chaud. C'est ce que j'allais faire mais... Je suis content de voir qu'on est d'accord. Nice, nice ça les gars. C'est bon ça. Si si la famille. Moi je suis toujours pas assassin mais. Le conseil des défenses a validé. C'est vrai qu'on devrait créer un conseil de défense du chat nous aussi. On devrait créer un conseil de défense du chat. Conseil de défense. À partir du moment où j'ai pas pris la spade, c'est pisto quoi je pense. On va créer notre propre conseil de défense les gars. Pas de raison qu'il y ait que Macron qui ait le droit de jouer avec un conseil de défense. Y'a que lui qui a le droit de faire Mumuse, c'est quoi ça? Conseil régional. Non non, national, national. Faudrait gagner et vendre Tristana pour avoir 30 gold. Conseil cantonal à la Raoul. Faire que un conseil mondial, c'est beau. Donc, vous pouvez pas savoir à quel point j'aimerais monter à 700 LP là aujourd'hui. J'aimerais trop aller me coucher à 700 LP. Franchement, ce serait incroyable. Ah ouais, ce serait super bien. Franchement, petit 700 LP pour dormir là, ce serait incroyable quoi. Ce serait trop beau là. Je pense que vous vous rendez pas compte le chat. Il a pas d'élu. Il est en 4 divine, 2 duellistes. En fait, voir si Timo il arrive à caster. S'il caste pas, c'est Kata. Ok, il a casté, c'est bon. En fait, c'est important qu'il caste pour proc 4 spirit, mais ça va quand même être chaud. Ouais, non, on va se faire défoncer, ok. Il y avait trop qui sont tombés sur moi là. Ouais, j'ai pris une méga tôle. Ouais, c'est Kata là en vrai, quand même, content, putain. C'est Kata ce qui vient de se passer là. J'ai pas assassin en plus, quoi. En termes de PV, c'est catastrophe, hein. C'est pas une très bonne économie là. Pourquoi lui il est One of Nasus 3? Au secours. La bonne nouvelle c'est qu'il y a littéralement 0 Diana à part moi dans la game quoi. Il pourra être unleashed dans quelques rounds. J'espère. Arc. J'ai envie d'aller la chercher là en vrai, personne qui la joue c'est pas conteste. Merde, putain j'ai entendu Tristan à quel con. Là ok je pense hein. Bah c'est ok si je touche quoi tu vois. Si tu touches pas c'est catastrophique mais bon.
Par contre, alors, le fait de pas rentrer là avec Ali, c'est cata parce que si je perds, c'est trop chiant. Mais bon, j'ai quand même une Diana 4 Spirit, level 3. À partir du moment où personne la jouait, je pense qu'il fallait y aller. Je pense que c'était bien. Mais c'est vraiment parce que personne la jouait quoi. Le Unleash est là, Unleash the Talk. Là, ça a remonté vite l'économie là en vrai. Je suis fort, j'ai des levels de partout en plus là. Je pense que je vends ça pour l'instant juste pour remonter l'écho. On va retrouver une cata de toute façon. Ouais, on est fort là. Non, la question qui se pose c'est. Notre dernier item c'est IE, c'est ça? Je pense hein. Je pense que c'est IE notre dernier item sur Diana. À mon avis hein. Non, je suis pas Yumi 3. Idéalement. Juste là, mais j'ai pas encore vu de gants de toute façon. C'est pas mal la D, hein, franchement. Moi, je refuse jamais un petit peu d'AD, ça régale. Ce qui est bien, c'est que j'ai quand même remonté à 12 gold en 3.2. Franchement, ça va. Hein. Je suis level 5, ouais, c'est pas fou. T'as vu l'histoire de la bourse? Oui, oui, j'ai vu, bien sûr. Non, mais y a tellement de Yumi, mais je peux pas jouer Yumi 3. Il faut que je remonte mon économie si vous voulez. Je peux pas aller la jouer là. C'est pas que QSS, il y en a 3. Ça peut, mais bon. J'ai ni Gant ni Négatron, je pars au plus pressé, moi. Moi, j'aime bien être dans l'efficacité, personnellement. Ah, vraiment, je peux pas jouer Yumi 3, c'est terrible. Oh, il y a un Azus 3, au secours. Pronostic le chat, est-ce que je gagne ou pas? On va faire une prédiction, tiens. Allez, prédiction, va-t-on top 1, top 2? C'était important de gagner ce fight, les gars. Oh, y a une spat. Oh, spat, c'est trop bien là, putain. J'ai pris Blue Buff Yumi, vous en pensez quoi? C'est pas mal, non? Salut Akai, c'est bien un Blue Buff Yumi je pense hein, à mon avis. Parce qu'elle va caster très vite, avec Spirit c'est quand même vachement intéressant je trouve hein. Ça me plaît moi. Ta-da, 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 ta-da. Sur Teemo aussi, ouais mais Yumi est level 2 et bah, ça reste un perso plus fort quoi dans tous les cas. Spare FC Akali. Bah Akali je m'en branle un peu. Après si on peut la stuff à côté c'est bien, mais oui c'est très bien aussi. Mais Blue Buff Akali c'est nul en tout cas. Mais oui si on peut faire un RFC Akali on le fera évidemment, mais ma priorité c'est de faire en sorte que les spirits ils cassent le plus vite possible là concrètement si vous voulez. Donc bon. C'est ouf, mais ce mec là est premier du lobby quoi, c'est incroyable. Je comprends pas. Genre. Non, à mon avis, il était fort à un moment donné, là il commence un peu à perdre, mais il a quand même quasiment nous HP quoi, tu vois. C'est ouf. Non, moi je suis trop, moi je suis vraiment ultra fort moi là. Genre, j'ai Akali 2, Yumi 2, Diana 3. Et vous voyez, j'ai remonté quasiment toute mon économie, hein. Le roll down il était tellement bénéfique, je trouve. J'ai bien regardé, il y avait 0 Diana dans le lobby, j'ai dit on y va. Zéro Diana, beaucoup de chance de l'avoir. Bon, merde, tu as. Bah non, il a pas d'item justement, donc il c'est. Sans item, il est grave, grave tuable, hein, crois-moi. Hein. Sans item, il est turbo tuable, le mec. J'espère qu'on va choper un gant dans la game. Si j'ai pas de gant de la partie, ça va me saouler par contre, hein, je crois. Je préviens.
Et du coup, qu'est-ce qu'on joue quand on veut pas jouer 6 assassins? Parce que Madiana elle est pas élue assassin, Madiana elle est élue spirit, ce qui est beaucoup moins bien parce qu'on peut pas jouer 6 assassins. C'est quoi? Putain, là par contre ça va être chaud à mon avis avec le Morello du Nasus qui me pique la gueule là. Ah, on va perdre là, on va perdre, ça y est, adieu. Ah non, elle a réussi à caster au bon timing. C'est tellement pété, putain, c'est abusé quoi. Incroyable quoi. Incroyable quoi. Entre autres mystique peut-être. Incroyable ce qui vient de se passer. Ah je la sens bien celle-là. Faut réussir à bien bien. Là faut qu'on rentre un au level 6 ou qu'on rentre un quatrième assassin là. Après c'est Kata ou rien, mais bon au 6 on est pas sûr de trouver Kata au 6 hein. Bon c'est pas comme si. Le truc c'est qu'au level 7 j'aurais pas un power spike, j'aurais mystique quoi, comme power spike mais bon. Allez pitié, file un gant ou un arc. Mais gant c'est mieux quand même. Armure pour Sunfire c'est bien aussi. J'ai une spat. Pas ouf du coup parce que j'ai pas d'item à compléter. C'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Ok, nickel le power spike, attends level up. Donc là, on peut rentrer 6 assassins maintenant si j'ai un gant. Le problème c'est qu'il me faut 2 gants en fait, vous voyez le problème ou pas? Est-ce que vous voyez la problématique? C'est-à-dire que si j'ai gants, ma priorité je crois que c'est de faire gants Diana pour IE en fait. C'est Charles de Gaulle derrière toi. Oui c'est le président de Gaulle absolument. Sauveur et libérateur de la patrie. A deux reprises. A deux reprises. Est-ce que les signes va kick ma Diana? Ah non ça va. Bon, si je continue, franchement si je win streak toute la phase 4 c'est free win hein. Enfin c'est free top 2 quoi je pense. Je l'ai eu tellement tôt en même temps. Tu peux faire destructeur de géant. Oui je peux faire le destructeur de géant, il a raison. Non mais j'envisagerais de faire tueur de géant potentiellement en vrai en plus. Chaîne d'entrée mystique mais pas chaîne du coup par définition. Faut faire pour un truc mystique. Alors, ah c'est la bite pour la batterie. Alors la bonne nouvelle c'est qu'il a pas de Giant Slayer. Giant Slayer c'est vraiment un gros counter à Madiana parce que Giant Slayer vu qu'elle a plus de 1700 machin HP, ça la one shot quoi vu tous les HP qu'elle a. Il y en a 3. Ok, bon, ok je l'ai one shot, très bien. Il a pas encore, en fait il a pas encore la prison de Nidalee quoi. Nidalee il faut la mettre en prison, bien barricadée et tout ça et position Guantanamo quoi. Ce qui est cool c'est que j'ai trouvé le talent sur le problème parce qu'on va être last pick de manière sempiternelle. Attends, ah y'a un mec qui était déco je crois, il pose. Oh il est déjà mort, il devait être déco pour moi en 4.2. Oui évidemment ouais. J'aurais pu jouer pas avec 3 hein. Mais là c'est trop tard hein. J'espère qu'il y aura le... J'espère qu'il y aura la terrible Lucky Lantern après le Karou là, avec deux gants si possible. Il y en a un de chaque côté. Tu me diras lui j'ai rien à placer. Ouais, c'est... Bah si, Sean s'est mis du même côté donc c'est parfait. Ils étaient tous les deux du même côté au final quoi. Après la Diana a décidé de hint le placement mais... La Diana est en train de me hint mon fight là, vous pouvez pas savoir à quel point je la déteste quoi. Au moins je serais pas la speak au moins. Mais quand même, quel connasse quoi. Quel connasse quand même. Je suis pas la speak, c'est presque une menace. En fait, j'aurais pas été la speak dans tous les cas parce que si j'ai battu Shones, j'aurais été la speak, j'aurais été premier. Putain, je l'aurais jamais. Ça casse les couilles quoi. Merci Sean. Heureusement qu'il m'a battu putain. C'était la meilleure défaite d'une vie quoi. Bon là la question c'est est-ce qu'on fait IE ou Spat Assassin quoi. C'est toute la question que se posent les Français là. Taladala ta ta taladala.
Bon, il y a zéro hésitation. Ouais. Full stuff le carry, il n'y a pas plus important. Alors, et là c'est la question que se posent les Français pour avoir. Ouais, juste là, directement, je pense. Pour avoir Akali 3. Attends le PVE. Il n'y a aucun intérêt à l'attendre parce que dans tous les cas, je ferai IE en priorité quoi qu'il arrive. Quoi. En fait, dites-vous qu'avoir 6 assassins, si vous n'avez pas IE sur le carry, ça sert à rien. Parce qu'en fait, assassin c'est fort parce que ça combine bien avec IE. Mais sans IE, assassin c'est beaucoup moins fort. Donc en fait, faire 6 assassins sans avoir d'IE, c'est nul. Alors, pour choper une Akali avec le D, ça je sais pas, je joue jamais Akali. Ils vont le faire sur Kennen. Ah, c'est pas ouf les pourcentages, je m'attendais à mieux. Faut que je chope un Kennen du coup. Tony joue tout le temps, il doit savoir tout. Mais... Donc au level 8, 17,50, ouais, c'est pas fou. Faut que je chope un Kennen quand même. Personne joue Akali, on est d'accord. Hein. Ça se saurait. Du coup, faire Akali 3. Pourquoi Kennen? Parce que comme ça, hein. Statistique. Hein. Proba, pardon. Sur Kata Kennen, c'est pareil. Alors, pas du tout. Hein. Sur Kennen, c'est 17,50 et sur Kata, c'est 11,67. Merci beaucoup. Ça devrait être un ban, ça, ce genre d'information là pour trahir la France, quoi. Traître. J'aurais pu vendre Kata en vrai là depuis tout à l'heure là. On a fait des golds en plus alors qu'on va certainement pas la jouer. Sauf si j'ai une spat là maintenant. Sauf si j'ai un gant quoi. T'as eu deux des pipes. Ouais, j'ai eu deux pipes, ouais. Oh, personne qui joue avec Akali, hein. C'est free Akali 3, no joke. Allez, le gant. J'en ai pas encore eu dans la game, hein. Le seul que j'ai eu c'était au carreau, hein, donc statistiquement il y a moyen quoi. Après dans les parties il y a toujours un item que t'as jamais quoi. Ah, c'est pas celle-là. Je suis né dans une famille modeste. La justice et la guerre c'est des choses que je déteste. J'ai un deuxième Morello, je suis très content. Très content. Je t'aime pour un fight ou pas? Je vais au moins level up pour avoir le 6 à ça. Je t'aime pour un fight pour roll quoi. Donc qui a l'insigne d'honneur de prendre le Morello à votre avis? Ouais, ils ont tous déjà des Morello intégrés. Enfin non, pas tous mais... Je vais surtout pas le faire sur Akali parce que je vais essayer de le faire dans full stuff, je pense. Mais Kata a déjà un Morello intégré, tu me diras, mais bon. Je vais faire ça, je crois. Ça lui fera de la paix pour ses trucs. Kata elle a déjà l'anti-ville, mais elle a pas les dégâts sur le Kata, comme Swain. Ouais, non, mais la vérité, j'ai juste envie de mettre la baguette sur Yumi, je crois que je vais faire ça. Hein. Parce que Morello sert à rien, ça donnera juste plus de heal à Yumi. Oh, je vais faire Sonic. Bonne idée. Bon, t'as là, faut que je chope un Kennen impérativement là pour. Faire ça, tu scope. Plus close, ça sert à rien. Je suis patient, hein, j'ai beaucoup d'HP en vrai. Le problème c'est que quand je vais avoir les Kennen, j'aurai pas les golds pour acheter les Akali vu mon écho là. Faut tempo 2 fight encore là. J'ai voulu bouger mais j'ai pas eu le temps, fais chier. Ça veut dire, est-ce qu'elle va pas aller sur la Kindred là? Pas du tout, elle va sur la pire. Ah si si, exactement, sur la Xayah, nickel. Nice. Excellent. C'est un match-up où placement joue beaucoup là, franchement. Tu veux rentrer 4 ninja? Non. Ah non. Non, non, non. Y'a pas de GA donc normalement il va s'empaler sur ma Diana et mourir normalement lui. Le top 3 c'est ça je pense, hein, franchement. Après lui pour monter aussi, non, j'avoue que le lobby est strong, c'est un beau lobby hein. Je suis content qu'on ait fait très vite Diana, ça a évité qu'on donne scale, du coup on est toujours un petit peu en avance par rapport à la game quoi. Parce que c'est vraiment un lobby huge quoi. C'est un lobby énervé du cul quoi.
J'ai trouvé Akali 3 naturel avant d'avoir Kennen, vous allez voir. Faites mort. C'est rigolo. J'ai dormi dans les champs à répéter les mêmes gestes pour gagner un peu d'argent car la thune elle m'est très digeste. J'ai pas connu Kennen, il était capitaine. Pourquoi tu veux Kennen? Pour pouvoir faire le dé sur Kennen. Ah, je suis pas l'aspic, enfin si je suis l'aspic, mais comme il y a déjà deux morts. Parce que quand tu fais le dé, en fait c'est en faisant le dé sur Kennen que t'as le plus de chances d'avoir des Akali. Voilà. Bah c'est re-assassin je crois. Est-ce qu'il y a un intérêt quelconque à refaire une spot assassin? Ouais. Pas même virer Katarina. Je suis pas non de virer Katarina, elle dégoûte hein. Ta-da, ta-da. Sur le Samira assassin. Et si je veux faire attends, admettons que j'ai envie de faire Kindred 3. Kindred, faut le faire sur Kindred. Je vais faire ça je crois sinon on nique. Après non mais la Akali elle est... Bon elle est de Kindred aussi assassin tu me diras. Voilà je me suis bouffé la gueule là par contre. Ah mais j'avoue qu'il a ça, vous savez il a son setup lui hein. J'avoue que c'est dur pour moi de le battre maintenant. Maintenant qu'il est full setup lui. Je vais attendre le PVE pour refaire mon économie. Ça aurait pu mieux se passer mais bon, ça va. On l'a pas tagué lui encore donc. Alors soit on tague le premier qu'on a tagué. On l'a déjà retagué là maintenant en fait. Putain match picking de merde. Je voulais pas me mettre là parce qu'elle lessine là, j'ai peur que le lessine kick ma Diana. Ah mais c'est un lessine assassin, j'ai rien dit. Parce que pas d'arrivée du coup. La Morgana me fait très peur. La Morgana est morte. Il était capitaine. He was come from Angleterre, sister ni pas la mienne. Triple item. Je reconnais, c'est des bons items de merde ça en plus. Ça aurait été une petite IE là putain. Petite IE pour Akali là, ça aurait été la Champion League. Cette chair n'est pas la mienne. But my patience is not here. Kiss me goodbye. Kindred c'est un des rares champions quand tu le Nico. Quand tu le D, ça te donne le plus de chances d'avoir des Kindred quoi. Il y a un entre-soi insupportable, parisiano-parisien. On va pas se focus sur Kinara, se focus sur Akali. Une seule Akali, très bien. Ah très bien, tu es moi. Heureusement que les statistiques ont dit que j'avais plus de chance en faisant ça quoi. C'est plaisir. Je vais être sur Yumi parce que je kiffe le champion en vrai. Ah mais c'est fait one shot très bien. Ah mais je me suis démonté par Shaunzi là. Attends, pourquoi y'a Shaunzi TFT qui vient de me casser le cul là. Ça sent le top 4 ça quand même. Top 4 c'est bien hein. J'avoue que les dépipés c'est comme si j'avais pas eu de dépipés moi. Attends par contre faudrait que les gens meurent là quand même un de ces 4 là. Après la bonne nouvelle c'est que je prends encore une défaite.
4 c'est bien. Top 4 c'est bien. Avec une compo que je joue jamais, j'aime bien faire top 4. Moi, moi je suis quelqu'un de simple qui se contente de peu, vous savez. C'est là que j'aimerais bien avoir un Giant Slayer quand même là. Casilien se fait one shot, c'est pas plus mal. Le choc, oh, c'est vrai, je le défonce, c'est bon. Personne dans, quasiment personne dans cette team a pu ulti quoi. Après non, j'ai quand même peur du... Voilà, du 7. Ah, mais le 7 est arrivé, ça y est. Bon, okay. J'avais peur que le 7 ait le temps d'arriver et one shot Madiana, mais non. Hey Shones, pour les worlds, mon Shones. Ah non. Ah si, il a gagné. Quel homme. What a man. On soutient quand même la France. Hein. C'est-à-dire la France. C'est-à-dire, bon, Samira sert à rien. On va entrer Morgana au moins elle rend sage et au moins elle va pouvoir essayer de debuff les adversaires. J'ai dit la France, c'est-à-dire un seul territoire, un seul empire et une seule loi. Ah certes, dans la Bible effrayante, vous avez fait rouler le mensonge et la trahison. 1000 forces centrifuges s'étaient exercées contre l'unité de la France. Pardon, j'étais en pleine imitation du général de Gaulle. Il y a un Timo 3, ce qui est très mauvais pour nous, hein, je peux vous mentir. Après je les one shot là. Maintenant il y a Nidalee 3 qui va one shot ma Nidalee. Et adieu. Avec Nidalee, oh oui, 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 Nidalee. Pour la France, pour la France, pour la France. Pour la France. Oh chose, mais quel homme. Non, par contre il faudrait quand même mourir avant moi quand même. Par contre hein. Non, moi je veux bien l'encourager mais faut quand même qu'il meure avant moi, faut pas déconner quoi. Il va pas me la mettre comme la game d'abord hein. Je vous le dis hein. Me le mettre deux fois quand même. T'as Giant Slayer, c'était tellement bien que. Quand même pas me le mettre deux fois, il va faire ça. Jensen Fires, Rod, c'est quoi, c'est Kalis? Bah, Kindred 3, c'est pas mal, ouais. Ça. Tada, tada. C'est pas le vrai, j'essaie de trap claw quelque... En fait j'essaie de trap claw pour stun quelque chose de bien mais... Ah merde, il a un Zephyr. Merci Bob le bizarre. Ouais, j'ai fait pire trap claw là. Merci beaucoup Bob le bizarre. Bon, y'en a un des deux qui meurt là, non? Y'a forcément un des deux qui crève là. Ah, Shones est mort. Je peux pas dire que c'est une bonne nouvelle mais je le battais pas. Merci beaucoup mec pour le sub. Je peux pas dire que c'est une bonne nouvelle tu vois parce que... Bien que j'apprécie beaucoup mais... Clairement, il m'explosait la gueule quoi. Donc bon. Il allait me battre. Donc bon. Ah, c'est vrai que le pari c'était top 1, top 2. GG. En plus, vous aviez bien investi. Non, c'est le bro Shones. C'est le bro. C'est le Jonas Brothers, clairement là. C'est le moment de faire Morello Yumi les gars. Si je gagne c'est grâce au Morello Yumi. Mais la preuve c'est qu'il faut tuer Timo là en fait. Adieu. L'ulti de Azir m'a été fatal je crois. Alors Kindred est en train de full judge. Ah non bah non pas du tout. Adieu. Vive la France. Je suis pas mort. On a gagné quoi? Bah une bite et un couteau. Bite et un couteau. C'est pas fini. C'est pas fini. The dream is still dreamable. Dreamable. Faut que je tente une attaque par deux. Par le flanc là. On va tenter d'encercler l'adversaire là. Dimanche prochain y'a OMPSG. Ah c'est vrai. Oh, super. J'espère qu'ils vont réussir à refaire reporter le match. Sinon ça va être la merde sinon. On va faire reporter le match quoi.
Allo? Ah très bien, lui je pouvais pas. Lui, y en a qui voulaient pas prendre la spade, c'était bugué, très bien. Je tente une attaque par les deux flancs. Je tente une attaque par les deux flancs. Kinda de ce côté là et Diana directement en frontal. C'est la ah putain, l'attaque par les deux flancs se passe très mal là je crois. L'attaque par les deux flancs s'est très mal passé les amis. L'attaque par les deux flancs a été un échec, je répète. L'attaque par les deux flancs. J'aurais dû appeler Halmin. Putain, y'a Halmin aujourd'hui. Y'a l'attaque des titans.